Ouais, salut à tous, c'est Skyrose, bienvenue pour le nouveau top 10 de Code QG spécial What the Fuck Fail. Et cette semaine, il y a vraiment du très marrant, alors j'espère que vous avez la patate, la ganache. En tout cas, si vous l'avez pas, je peux vous garantir que ça va vous remonter le moral à 100% parce que c'est vraiment 10 clips bien gauleries. Alors, 10ème position, on se retrouve avec Over Toxic qui est là sur la petite map Lockdown et qui va jeter son couteau qui est rien ne se fasse. Le petit Pavlo, le noscope et boum, qui démonte le Pavlo. Alors, le Pavlo qui était touché par un projectile auparavant. Mais c'est ce qu'on appelle un finish him. Allez, boum, no scope, détruisage de Pavlo. Bien joué à toi. 9ème position, on se retrouve avec Radiant Law du 38 qui va se prendre un violent coup de couteau sur infecté. Regardez-moi ça, boum, bla. Et on revoit ça avec le mode studio, avec le petit mode pause. Et le mec en face, je crois qu'il n'a pas de couteau, mais il doit surtout avoir un sabre laser, une épée, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il l'a bien déchiqueté en wifi et boum, qui vient se percuter d'une manière bien artistique, par terre il s'éclate comme une merde. Alors 8ème position, on se retrouve avec Viral Rush qui est là sur la petite map Arcaden et qui va mitrailler avec son MP9 les hélicos, mais rien ne se passe. Effectivement, c'est un peu dur de les tuer, mais par contre les échos ne font rien non plus, le touche brièvement, mais pourtant quand on regarde le mode studio, on voit bien qu'il se fait mitrailler de toutes parts. Il se fait complètement canarder par les balles et le sol est criblé, mais lui par contre n'a rien. Alors je pense qu'il était un petit peu invisible sur le coup, mais en tout cas t'as une grosse chatte sur le coup. Allez hop, 7ème position, on se retrouve avec Lainoon qui va tenter un petit noscope titanique across the map et... changement d'hôte. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors petit changement d'hôte et qui va reprendre la partie, il perd son couteau malheureusement dans le changement d'hôte, mais là il se retrouve avec un total torticolis, pardon, et il a la tête sur le côté, la tête penchée. Alors je connaissais ce bug sur MW2, je ne savais pas que ça fonctionnait sur MW3, mais là c'est un joli torticolis mon ami. 6ème position, on se retrouve avec X-Unio, qui est là sur la map mission, il jette son petite insertion normale, il va acheter sa Semtex là où tout le monde est dans la camp, et là boum, ça va faire boum, il colle un ennemi avec sa Semtex, il en tue un, il se fait buter, il repart de plus belle avec sa petite insertion, il rejette sa Semtex et là ça va faire boum, encore une fois il va coller les ennemis avec une double élimination et il rejette une fois, une troisième fois et boum, il recolle une troisième fois les ennemis. Franchement, bonne précision de Semtex. 5ème position, on se retrouve avec Storm qui est sur la map village et là qui passe tranquillement sous le pont comme si de rien n'était, mais malheureusement une grenade n'en entend pas de la même chose qui vient littéralement l'exploser. Regardez la trajectoire de la grenade et boum, qui tombe à travers le pont pour venir éclater ce petit Strom. Pas de chance mon ami. 4ème position, on se retrouve avec Hypnose. Hypnose qui doit avoir une rage monumentale. Regardez les 4 ennemis qui sont alignés parfaitement et lui il se tape un hitmarker, des assistances. Bref, rien de ce qu'il voulait au départ. Regardez, ils sont alignés mais d'une manière parfaite. Je pense que là, il ne pouvait pas rêver mieux. Il va tirer et on voit même que les ennemis se font toucher, mais il a loupé son quad. Je pense qu'après il a dû jeter la manette, jeter la console, se jeter par la fenêtre, tout ça ensemble et être bien bien dégoûté. 3ème position, on se retrouve avec Obscure qui va se faire complètement démonté par une RCXD et d'une manière assez improbable. Regardez l'ennemi qui va jeter la RCXD qui va passer à travers le mur, qui saute et boum! Regardez un petit peu la Star Wars qui va foncer direct sur lui et là je pense qu'il devra bien la rage. 2ème position, on se retrouve encore une fois avec un clip vraiment des plus improbables, je pense du jamais vu. Regardez, il jette son couteau, le couteau qui va tuer un ennemi, mais vous n'avez vraiment pas idée à quel niveau se situe l'ennemi. Regardez, il va tomber dans le mur, il y a un trampoline dans le mur, je suis sûr. Il déjà passé le Tomahawk à travers le mur, je ne comprends pas comment ça peut se passer et là il prend une trajectoire monumentale. Il passe directement tout droit, il va passer encore une fois à travers un mur, à travers la porte pour aller tout droit se loger dans le pied de cet ennemi là. Je pense que ce Tomahawk avait vraiment une dent contre lui et voulait tout faire pour le buter. Voilà, chose faite, et l'ennemi a dit que s'il a regardé la killcam, je pense qu'il a dû rien comprendre du tout. Allez, première place, un nouveau shot sur MW3, on appelle ça le EDF shot. Regardez-moi ça, il jette sa flash, sa grenade frag, il va se faire une élimination multiple. Jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez bien comment ça s'est passé avec le mode studio. Alors, heureusement qu'il y a le mode studio, ça fait vraiment plaisir dans ce jeu-là parce que ça nous permet de bien trouver des explications sur des phénomènes un peu what the fuck fail. Regardez, la grenade, encore une fois, je me trompe, dis donc, qui va exploser le poteau électrique et les 4 ennemis qui vont se faire littéralement électrocuter sur place. Je pense que c'est une grande première, électrocution multiple d'ennemis. On revoit bien ça encore une fois au ralenti, ça pète, ça détruit tout le monde. Et voilà, frag plus lampadaire égale quad, ça fait plaisir.
Voilà, c'est la fin de ce top 10, j'espère que vous avez vraiment kiffé, en tout cas, moi c'est mon cas, j'ai vraiment kiffé ce top 10 là, félicitations au premier qui gagne la Subox de Sayu DQG pendant une semaine, et félicitations également à tous les 10 participants parce que vos clips m'ont bien fait gaulerie, et j'espère que vous aussi vous avez gaulerie, en tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, c'est la récompense, ça fait plaisir, donnez votre avis également par commentaire en disant ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, c'est ce qui aidera à progresser sur les fois prochaines, et si vous pensez que cette vidéo peut faire gaulerie vos amis, et si vous voulez faire rire vos amis avec un top 10 what the fuck fail vraiment super puissant, partagez la vidéo sur Facebook, sur Twitter, allez faites gaulerie la France entière grâce à cette vidéo là, je vous remercie énormément du fond du cœur pour tout ça, merci également d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes vraiment les meilleurs, y a rien à dire, ça vous le prouvez chaque jour, sur ce je vous laisse et je vous dis la semaine prochaine ça sera un top 10 hitmarker et je sais que vous tapez des hitmarkers de malade à chaque coup bien rageant, alors profitez-en, vas-y préparez vos clips, envoyez-les à l'adresse qui s'affiche sur l'écran à code QG pour la semaine prochaine parce que ça sera un top 10 hitmarker et ça promet d'être vraiment bien marrant et bien rageant également pour tous ceux qui s'en ont tapé. Je vous laisse et je vous souhaite un excellent week-end, que du bonheur, que des bonnes choses, geekez bien sur vos consoles et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.